Bonjour tout le monde, ici Pika Puff qui c'est pour un épisode de Pokémon Violet. On continue. On s'en va d'un tout autre endroit. Je sais pas, je peux aller partout, tu sais. La zone 1, il y a des zones que je pourrais pas aller avant, mais. On va aller par là. On voit des donjons un petit peu partout là-bas. Ok, excusez-moi. La porte est là. Par là, c'est les montagnes. Il y a un chemin de montagne assez tortueux. Par là, c'est facile à les superbes. Mais si pas bien de l'autre côté, tu arriveras à suancer la ville de l'or. C'est par là qu'on va. Par là qu'on s'en va, les amis. J'en ai un là-dessus. Crinière des lions. Quoi? Crinière des salades. Caverne là. Oh my god, on peut entendre la caverne. Je peux te sauter là? Traverser la grotte pour rejoindre la route vers. Sombre balle. J'en ai pas. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Ils sont pas si haut level. On a attrapé Lixie. Je le connais par cœur, Lixie. Les trois derniers jeux de niveau de Pokémon étaient dedans. Pokémon Flash, type électrique. Lorsqu'il fait travailler ses muscles et génère de l'électricité, sa fourrure étincelle en cas de danger. C'est un show, hein? On va l'appeler Fab. Où est-ce que je me trouve? Je t'en refais si c'est ça là. C'est quoi ça? Oh! C'est quoi ça? C'est un Sylveon. Je devine que c'est un de ses proches. C'est normal. Hein? Hein? Un, deux,
3, clic, c'est lutin. Ce lutin. Je pense à un petit broche. C'est lutin Pokémon Alite. Son corps s'effrite au contact du sol et laisse du sel dans son sillage, mais comme son organisme est produit constamment, il se régénère sans mal. Un champignon de Mario, ça. Il est tout carré, on l'appelait Minecraft. Proche. On l'envoie dans la liste. Oh, c'est Spoink! C'est un psychique. Choc mental. C'est ma troisième zone. 1, 2, 3, clic. C'est un Spoink. Lui, il me rappelle Pokémon Ruby. Spoink, Pokémon rebond. Usez sa queue comme un ressort afin de rebondir et de faire battre son cœur. S'il arrête, il meurt. C'est triste, hein? On va l'appeler Babe. Dans le film Babe, le petit cochon qui parle. Le bat. Pas une échelle? Ok, tu sais. C'est ça qu'ils disent que c'est un labyrinthe, je comprends maintenant. Ça, c'est l'évolution de l'autre zoo. Non! Lui, je l'ai, hein? Je l'ai. Hein? Je l'ai appelé Bou. Est-ce que tu veux pas se m'attaquer? Pour aller accuser cette taxe. J'ai pas envie de dire ça. Oh my god, que c'est ça? Non! Il fait une attaque électrique, je crois. Je vais peut-être juste partir. Ils sont très agressifs. Oh my god, il y en a quand même un! Chase, c'est ma patience! Je veux juste explorer. J'ai pas envie de dépopaliser. Ouais, on peut pas reparler. I'm lost. I'm lost, everybody. I'm lost.
combat. Tu es allé à l'arène de Suancia? Moi, oui. Suancia? Suancia? Samir, l'étudiant, veut se battre. Un crabarage. C'est un crabe. C'est pas un aquatique, c'est pas parce que c'est un crabe que c'est peut-être un... Oh! Je revis la tragédie que j'ai traversée à la reine de Suancia. 624 pièces. Je vais soigner mon... Si je veux partir, je vais monter. Oh, il est plus sourd. Mais c'est aussi big une caverne dans le temps. C'est atroce. Je n'ai pas fait. Il va le faire. Chanceux comme je suis, il va le faire encore 5 fois. Comme ma soeur le fait. Ok, il faut que je prenne des points de repère. Pour l'action, si y'a... Non, mais ça passe pas. Kiku est vraiment pas fort. De l'eau fraîche. Vibra quoi? Il y a là un marchand maintenant. Je plaisantais pas quand il disait que ça allait être très élégantique, cette précision plus. Avec un cul-de-sac de demi-tour. Mais une belle graine. C'est ça, la roi venue ici.
T'as pas Pokémon Trump? Et tout ça, j'en ai déjà un. Le panneau fléché pour le 1. Ok. C'est bien ça. Ouais. Tout est fait, tout est fait, tout est fait. Jusque là. Ok, je suis 17. Ok, me revoilà. Qui c'est? Ok, ok, ça fait du sens. Nous voilà au début. Un bon pique-nique. Salut, je reviens des courses et j'ai eu les yeux plus gros que la bande. Ça te dirait de récupérer les ingrédients que j'en ai trop. Oui, cornichon, F, ketchup. Huile d'olive. Oh, on peut relaxer un peu. Pain, 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 pain. Quoi? Une poupée poké. Oui, c'est ça. Je dis une poupée poké. Ma tête, ça va. Ça sonne différemment. Potion! Comment ça, descend? C'est quelque chose? Voilà. Une caverne. Ah, j'ai déjà été là. C'était la caverne en tant que telle. Oui. Ben, je sais pas, c'est super d'or. J'ai envie de prendre mon haut pour ça. Avant de la bébé. J'ai envie de Pokémon. Je vais le capturer cette fois-ci. Qu'est-ce qui serait bon pour... Herbe. Qu'est-ce qui serait bon contre... Herbe. Non, c'est un fairy. Poison peut-être? Est-ce que c'est bon en fait? Regardez sur internet. Fairy, c'en est un, je sais jamais c'est quoi sa faiblesse. Steel type weaknesses. Or to poison and steel type. Poison et steel. Parfait. Ce qu'on va faire. Celui-là, je vais capturer pour moi.
C'est un fleur de loup type fleur rouge. Mais le mec, ben, il est intéressant. C'est quoi qui veut dire? Moi, je comprends pas. Super efficace. C'est cool. Fais-tu une charge? Le bébé attaque ça dans, je pense, X, Y. Je peux dessus. Vas-y, n'importe quoi. On a un flot bébé. Pour de vrai. Comment on va l'appeler celle-là? Ouais. Appelé Fleuro. Oh, c'est bon. Hein? Parfait, Fleuro est dans la boîte PC. Maintenant, notre Psyduck. On va continuer à le faire booster un peu. On va le déplacer Warren, on va le mettre là. On va lui donner des bonbons à Warren. Je pense qu'il évolue dans mon niveau. Niveau facilement. Niveau 27. Détrempage. Il apprend même des habiletés. Détrempage. Le lanceur projette beaucoup d'eau sur sa cible qui devient de type eau. Faire ça. C'est niveau 30, niveau du 35 quand même. Je sais plus, je sais pas. Je ne le sais pas. Du zinc. C'est bon, c'est un Pokémon. J'ai déjà boosté du licor, ça va être incroyable. Pourquoi j'ai fait ça de faire? Je suis sans de ça.
Son attaque montera plus facilement, mais son attaque spéciale, ça devra plus longtemps. Non, c'est attendu. Donner à la Jigglypuff. Je vais donner du zinc. Ça va avoir été une vraie butasse. Jigglypuff, là. Ça va être violent, tu vas pas le craindre. Une nouvelle élève. Je suis ton aîné. C'est mon devoir de m'assurer que tes Pokémon sont en bonne santé. Daphné est une longue vie. Embrouche. Putain, c'est trop ça. Ils sont en super forme. 484 piastres. Faut juste parler à madame, ça. Ouais, et moi, il fait pas beau, on a peut-être pas gagné là-bas. C'est ça que je dis. Non? Ok, content. Donjon sceptre. Un pont. C'est clairement type O, type feu, fait que peut-être un petit pistolet. Ok. Charbon. J'ai des violons là-dessus, je suis désolé. Je suis calme. Celui-là, c'est un peu dégueulasse, mon nom. Mon petit chat. Quoi ton chat?
Tout ça en bas doit être zone du sud, zone du sud. Là, j'étais à 3. La 4 est où? Et tu sais, c'est quoi le point d'agace? C'est vrai qu'il me faut un petit feu. J'en ai un. J'ai un petit feu. Mais je pense que veux-tu une lettre ou. Super potion. Faible base. Bonbon XP. Mon P à côté. Donne beaucoup d'XP, ça. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de super? C'est pro. J'ai pas cristallisé pro. Bonne attaque. Et là, il se peut se marquer. Terrible. Niveau 18 pour les deux. Ils ont rien à payer. Et là, je suis là. Je suis seul. Je vous montre ça, tu es seul. Je t'en plus. Tu dors. Il
Racine énergie, une racine trésor noir restaure 120 PV. Pokémon. Moi je suis. Torsi, oui. Il y a un donjon de ça, bien sûr, oui. J'étais partout, ça. J'ai des macabres. C'est un labyrinthe en même temps, c'est gérable. Moi je t'ai aguerri par là-bas tantôt. Je suis pas sûr que je t'ai aguerri par là-bas. Je vais monter ici. Tout à fait. Regarde, il y a des dégâts. Grimper la côte et suivre la route pour y aller là. Pam pam pala pam pam quoi. Pam pam pala pam. C'est le but que ça fait quand on soigne ces Pokémon dans son Pokémon. Pas tant, non. C'est pas ça que j'ai vu. Cordial, la musicienne, je vois. Donc elle a dit Call Girl, ok. Elle est tout doux. Fight Gotham. Tout son arme endormi aussi. Oh, c'est encore plus compliqué. J'aurais bien besoin d'un petit pam pam la pam 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 palam pam. Ok, ça va. 1100 piastres par exemple pour un petit combat facile de même. On va le prendre. Un petit paro. Prends ça de coup. Il y en a un autre. Parfait. Prise de loup. Je l'ai pas plus. Niveau 14 cependant, est-ce qu'un pistolet à eau peut résister à ça? Ouais, il a beaucoup de goût à place. Il est possible là-dessus. J'ai fait un coup critique. Je fais un autre coup de goût. Pas celui là-dessus. D'après moi, ça devrait être assez. Ça, je pense que c'est quoi? Je pense que c'est le Pokémon que moi, dans ma version, j'ai. Ma sœur le mot. 1, 2, 3, clic. Good job. Un charbonbin. Si je suis capable d'en capturer un deuxième, j'en capturerai un pour ma sœur. Charbonbin, Pokémon enfant en feu, type feu. Ses puissantes flammes atteignent les 1000 degrés Celsius lorsqu'il se bat. Il aime les baies riches en matière grasse. On va l'appeler. Helden. Parce qu'il ressemble à Elden Ring. Oui, non, pas possible. Ouais, un deuxième type feu, c'est bien. Probablement une évolution. Peut-être une évolution. Calif acier. Il est juste attaquant. Okay. Le but c'est de sauter au bord de ça. Est-ce que je suis capable?
Oh, il y a splash. Rien ne se passe. Bon XP small. Puis une Lux Ball. Oh. Ça c'est quoi? Un sinistre puits de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui. Le puits s'est complètement désagrégé quand vous l'avez extrait. C'est la barbotte, ça. C'est un barbotch. Barbotch. Qui vole en wood. Je l'avais pas donné tantôt. Barloche. Barloche. Barloche, Pokémon Barbillon, eau et sol. Barloche sonde les nids boueux des rivières avec ses barbillons. Un film visqueux protège tout son corps. Barbotte. Hey, c'est productif. On en a-tu des Pokémon? Non, moi, je trouve que oui. Ça se développe tranquillement. Ça se développe tranquillement. Flamigo niveau 19. Ok. On va arrêter le Pokémon Santo. Est-ce qu'il y a un dans ça?
c'est là qu'il faut se rendre. Le prochain objectif, c'est par là. Qu'est-ce qui se passe? Yo, Picorina. Apparemment, le dominant roche falaise est quelque part dans cette zone rocheuse. Je vais aller chercher, mais sans succès, impossible de le trouver. Ça se trouve, il est collé bien en hauteur sur une paroi. Tu vois, tu crois que c'est possible? Non, en fait, ça m'étonnerait. Je doute qu'il soit un endroit aussi inaccessible. Donc, t'embête pas à le chercher trop loin ou tu risquerais de tomber de la falaise. Et si tu sais plus où t'es, je te conseille d'ouvrir la carte pour voir les alentours. Coup de main. Rappel. Crinière de lionceau. Super potion. Un entraîneur en haut. C'est moi qui vais te montrer mon Pokémon en premier. Vas-y, fond. Dis-toi. Rufus, le Pokémon Egg, je m'appelle Tristan. La Ombre Glace. C'est un Arbitor. T'as fait ton affaire, hein? Tu m'as montré des Pokémon incroyables. Je t'en ai montré un. Juste un, ça suffit. Sombre balle. Qui s'y connaît en combat? Salutations, le premier allié de Pokémon, je sens que le combat va vous connaître. Vous avez réussi à vaincre 4 dresseurs dans la zone sud. Une fois que vous avez réussi à battre 6 dresseurs au total, vous avez droit à une splendide récompense. 6 dresseurs. Bientôt. Qu'est-ce que je veux? On va le faire évoluer, hein? Pokémon bonbon. X-Mort, c'est ça. Il est résistant, je pense qu'il vaut niveau 40, quelque chose de même. Quelque chose. Devrais-tu faire face à ma toute puissance? J'oserais fort bien. J'ai fait tenir un puissant objet à mon Pokémon. Alors, devrais-tu faire face à ma toute puissance? Bon, ça. Petite
combien d'employés vous avez? C'est l'employé tout seul avec les os. Jusqu'à prendre une attaque, je trouve que c'est un doute qu'il n'y a pas d'attaque. Il doit être à l'air. Prochain niveau, il prend le poids. Vas-y, encore un jour. Ah, ça va, il va être quoi, toi? Cabriolet. Cabriolet. C'est quoi ça? Oh. Niveau 19, piment. Frimousse va prendre canon graine. Le lanceur déclenche un déluge de grosses graines à la coque solide sur la cible. Le feuillage n'est pas tant nécessaire. Vous avez battu Titien l'employé. On dirait bien que ta puissance était encore plus puissante que ma puissance. Finalement, t'es un petit peu trop lent. Un petit peu trop puissante.
potion. Potion. Fire potion. Pokeball. J'ai fait le tour des Pokémon dans ce genre-là. Hein? Pas là, vraiment les niveaux. Coup de boue. C'est correct aussi. Hein? Pokéball. Zone sud. Je veux pas nécessairement aller dans la zone sud 5 parce qu'il y a des Pokémon que je vais peut-être pas vouloir voir. J'entends. On va rester dans la zone 3 si vous permettez. Oh! C'est quoi ça? C'est un nouveau crabe, je me rappelle. Ok. Craparouac, ça donne. Moi, je l'ai eu, ça peut être. Un autre attaque. Je vais être capable de le tuer. Cours, pas de attaque. Pokéball, go! 1, 2, 3, clic. Oh yeah! Craparouac. Craparouac, Pokémon embuscade type roche. Il vit sur les falaises escarpées et esquive les attaques en se déplaçant sur le côté. Il vise les points faibles de ses adversaires avec ses pinces. Comment on l'appelle? Monsieur Krabs. Une évolution. 250. On voit si c'est une évolution. On peut voir Int si c'est une évolution ou pas. Tellement de fun à jouer à ce jeu-là. Le temps passe vite. Puis que l'épisode est quasiment fini. Tempo. Tempo. J'en ai 70, j'en ai 82. On a dit 249. 248 doit être son évolution. 250. Non, je pense qu'il n'y a pas d'évolution. C'est un Pokémon tout seul. Salut. Pokémon M01, sa vitesse montre plus facilement, mais sa défense. On va de la merde. Moi j'ai envie de faire le Lido, le 2002. Il y a une chaîne là. Que je n'ai pas. On fait le 2002, on fait la chaîne, on fait le donjon. On finit ça là.
de bande dans la famille. Cabriolène. Niveau 19 pour Bam Bam. Cabriolène, Pokémon monture, type plante. Ses feuilles lui permettent de générer de l'énergie à partir du soleil et de l'eau, et ainsi de survivre dans les montagnes où la nourriture est rare. On l'appelle comment? Goaty. C'est un type herbe. Et voilà, c'est pas très bien. Ok, on a un entraîneur. Je vais leur faire la... Je vais leur faire peur. Le cage en buisson, puis boum, t'as fait peur, hein? Pas de temps. Mathurin étudiant. Un tout nouveau. Un Manzai. C'est une attaque tellement stupide. Je sais pas pourquoi t'as fait ça encore. Niveau 19. Ouais, j'ai perdu au final. C'est toi qui m'as fait peur. 384 piastres. Good. Ending good. Que je vois pas mon petit coquin. On fait le donjon, on retourne au Poké Centre. Total son. C'est pas le chien, ça. Let's go. Le chien de pâte, pas aussi. Me semble que c'est ça. Je suis curieux de son évolution, cette affaire-là. Bon, je pense qu'on a quand même bien avancé les deux derniers épisodes, sans être trop bien aidé, mais on a quand même exploré, on peut trouver quelque chose de même. On découvre rapidement l'activité de belles opinions, donc 3 sur. Attaché au sauveur, le good. Ceci étant fait, on peut retourner au Poké Centre. Le petit temps à faire une partie de terminer l'épisode. Regardez ça.
prochain épisode, on va aller découvrir tout ce qu'il y a là. Mais je pense que la zone 5, c'est comme... tout ça. Ou c'est ça, peut-être? Non, une montagne, je sais pas, c'est quoi. Anyway. Cet objectif est par là. Arène de Severo. Hein. Ce jeu est fascinant. Je l'adore. Malgré ses petits défauts techniques visuels, je l'adore. Un coup de pin? J'en ai pas de ça. J'ai fait un ground, on va devoir chatter. Oh, j'ai peur. J'ai eu peur. Un, deux, trois. Ok, c'est pas comme un estomac, c'est comme un estomac glou petit. De Gloopty x2. Gloopty, Pokémon estomac, type poison. Il a un cœur et un cerveau de petite taille. Son corps est principalement constitué d'un estomac dont les sucs digestifs dissolvent tout. On va l'appeler Mium. Non, Glouton. Oh oui, on va l'appeler Glouton. Parce qu'il mange tout ce qu'il veut. C'était dans Pokémon, Ruby Sapphire et tout. T'as l'impression qu'il n'est pas si terrible que ça non plus. C'est pas dégueulasse. Il y en a plein ici. J'ai plein de. Vous avez vaincu 6 dressants dans la zone 3. Non, on l'avait pas mal, moi, de vous remettre. C'est disparu pour on pense. Puis voilà au coq. Restons un peu les PV du porteur chaque fois qu'il l'inflige des coups. Ce défi se tient également dans d'autres moments. Le coq, c'est bien ça. Je peux donner ça à mon chat. Sa défense se développera plus lentement. Je vais vendre une capote de trésor à Benny. J'ai des champignons. J'ai la poussière d'étoile. J'ai des perles. Comme fois, on va donner les bonbons à notre Psyduck. Même si je pense pas qu'il va évoluer tout de suite, je pense qu'il va évoluer au 40, si je me rappelle bien. Dans un niveau, il va évoluer. Qui sait? Pour ça, le prochain, ça va être lui. J'ai
jouer en ordre. Ok. Bon, mais moi, je vais vous dire merci d'avoir été tout le monde. Prochain épisode, on s'en va faire le Pokémon dominant. Donc, on va aller voir ça. Donc, je vous dis merci d'avoir été tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.